Salut tout le monde, épisode 3 de Caravane, donc pour moi nouvelle session de jeu. Il est assez tard, mais j'avais envie de rejouer, parce que mine de rien, ça m'intéresse. Alors avant que je ne continue, il faut que je refasse Mancree Makana là. La petite quête. Voilà, pour la terminer, voilà. Vu qu'il y a une sauvegarde juste avant. Ok. Donc du coup, on avait comme objectif principal d'explorer l'Arabie du Sud pour découvrir un puissant allié. On devait voyager jusqu'à Zafar. Ah oui, ça c'est avec les ghouls, on n'était pas assez puissant. Et sinon, affronter Zamahel à Karj, c'était un mercenaire, un bandit plutôt. Voilà. Ouais, on nous avait exploré l'Arabie du Sud. Voyager jusqu'à Zafar, c'est ça. Donc on va voyager, on va continuer de voyager en fait tout simplement. Alors ce que je vais faire c'est que je vais remplir mes... le plein d'eau, voilà. Bon moi je suis tranquille pour un petit moment. Et on va explorer l'Arabie du Sud. Alors du coup j'ai pas d'autres parce que l'Arabie du Sud, ou alors il faudrait que je retourne à l'Iran des Piliers, je sais pas, pour voir si... Ouais, quand il y a Arabie du Sud c'est quoi, parce que... J'ai pas été voir, ouais, Babylone, tout ça, là. Ouais, là, ça s'arrête là, mais ça se trouve, on peut aller voir plus au-delà, hein. C'est pas impossible, hein. Je suis là, cette grouille de village par là. Donc, ça se trouve, je crois que je suis à l'extrême sud. Bon, bref, ce qu'on va faire, c'est que j'avais envie de faire affronter Zamahel à Karj, voilà. Certes, c'est loin, mais du coup, il y aura plein de trucs qui se passeront sur la route. 3 jours, ouais, pas si loin que ça, mine de rien. Enfin, ça reste quand même conséquent, dans l'idée. Mais du coup, là, pour l'épisode, je vais faire un petit épisode comme ça, tranquille. Tout ce qui se passera sur la route, de toute manière. Alors, vous tombez sur un champ de bataille. Alors ça, la dernière fois, on s'était fait avoir par des ghouls, mais on peut essayer. Avec un peu de chance, on n'en aura pas. Et lol. Bon, bah, pas le choix d'attaquer les ghouls. Rang 3. Avec un peu de chance, j'en avais battu... Non, c'était pas des ghouls que j'avais battu la dernière fois, c'était des bandits. Bon, c'est jamais, hein. Ça peut-être fonctionner. Allez, on va prendre ça, parce que du coup, pas mal le tirage en le pain. C'est aussi bien pour moi comme pour les ghouls, du coup, mais... C'était gros score. Voilà, hop, le 50. 90 de dégâts, par contre. Ah bah voilà, j'ai de nouveau le bug du dé. LOL. Génial. Bon bah du coup voilà, j'ai redémarré la partie, on a encore eu le bug, hein, c'est vraiment... des fois il est là, des fois il est pas là. On va voir si j'ai de nouveau l'événement qui se passe, l'événement aléatoire qui se passe sur la route. Hein. Vu que c'est aléatoire, c'est pas dit que ça se fasse du coup. Mais ouais, c'est vraiment de la merde ça. Je pense qu'il y aura une prochaine mise à jour, hein, parce que là le jeu doit être en version 1.0. Mais dans l'idée, ouais, c'est un peu pourri quoi. Enfin... Ça gâche complètement l'expérience de jeu, mais même le jeu est mal optimisé, hein. J'ai pas mal de problèmes avec mon PC, enfin mon PC non plus est pas top top, je le reconnais, mais le jeu est pas super bien optimisé, hein. Bien malheureusement. Une femme habillée de manière très simple s'approche de votre caravane, elle baisse le regard en s'adressant à vous. Je vous prie, acceptez-moi au sein de votre caravane, j'ai dû fuir mon ancien employeur, il ne me traitait pas correctement. Eh bah allez, viens, écoute, un auxiliaire du coup... Les effets des capacités de votre héros ainsi que sa santé, ouais, ça peut être intéressant. Vitesse 6. Vitesse 12, donc du coup ça fait une sorte de moyenne, ouais, je suppose. Plus la mienne, ouais. Charge 0, consommation d'eau 0. Ah bah, c'est très bien. Je me suis dit, merde, elle va peut-être me coûter de l'eau, mais... Absolument pas. Perfect. Pour mon lot, ça va encore, hein, je veux dire, même avec tous les gras que j'ai. Alors, nous voilà à Chaboua. Est-ce que je peux faire quelques achats Saphir. Diamant. Les peaux. Le bois. Le sel. Le blé. Les dates, on va prendre un petit peu. Écoutez, on sait jamais, ça peut nous servir. Hop, on va essayer de négocier tout ça. Voilà, de marchander tout. Il fallait rang 2, moi aussi.
je trouve qu'elle a des bons stats, mais peut-être que je peux faire quelque chose en espérant que là il n'y ait pas de bug. Le système est sympa, mais c'est bugué, simplement. Après voilà, le jeu vient de sortir, hein, donc je lui en tiens pas rigueur, si vous voulez. Mais c'est quand même assez dommage. Après, vu qu'il y a des sauvegardes à chaque ville, on peut espérer que voilà, il n'y a pas trop non plus trop de combats, etc. Et bah j'ai gagné, j'ai même pas fait gaffe, lol. Le prix change de 5%, le prix final est de 133. Du coup, j'ai... je sais pas le prix de départ, mais je crois que j'ai économisé 7 de drague. Bon, bah écoutez, c'est toujours ça de prix. Hein. Et bien, poursuivons notre quête. Donc, du coup, à chaque fois... Ah, est-ce que je peux continuer, du moins? Parce que là, j'ai 10 sur 9. Merde, alors attendez. On va voir ce que ça fait. Jusqu'à Najran, on va voir ce que ça fait. Alors, trop vite dans l'inventaire, j'ai besoin d'une partie pouvoir. Ah bah, ok, on peut juste pas bouger. Bon bah, c'est pas grave, on va lui revendre des trucs. J'avais pas fait gaffe. Mais du coup, on va essayer de remarchander. Lol. On va lui vendre des dates, c'est pas forcément. Ouais. On va essayer les dates, voilà. C'est pas forcément très cher. Voilà, bon après, c'est vrai que vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de petits systèmes comme ça, le bug, on l'a pas forcément très longtemps. Ouais, mais la gueule qu'elle a, on dirait qu'elle est soumise par la toxine Joker, quoi. Elle est affectée par le Joker. Lol. Loli, 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 lol. Et ben voilà, nouveau le bug. Qu'est-ce que je disais? Ah, du coup, je disais, oui, ça va, le bug, on l'a pas trop souvent, puis voilà, boum. Ça m'apprendra à parler trop vite. Bon, du coup, là, je suis où, là? J'ai bon... Est-ce que j'ai quoi comme marchandise, là? Ah, du coup, tout mon marchandage, ça a pas marché. Bon, on va essayer de lui acheter de... Le acheter, on avait pris quoi? Le blé, non, la peau, et le bois, non, le sel plutôt, c'est moins cher. On va essayer de marchander tout ça quand même, histoire de, qu'on gagne, je crois qu'on gagne de l'XP, hein, à marchander. Hein. Et en espérant surtout que ça ne bug pas. Quand même fort dommage. Moi je prends les chiffres les plus gros, écoutez. Hein. Elle a combien de PV? J'ai pas fait gaffe au début. Perdu. Ah bah en fait il n'y a pas de PV en fait, c'est juste ça joue contre un tour. Oui d'accord, il n'y a pas d'attaque. Bon c'est pas grave, tant pis. On aura essayé. On aura perdu. Bon. Eh bien continuons notre route. De toute façon, il y a des escales, on sait rien, je clique jusqu'à Carge, mais c'est pas grave. Salut. Une femme habillée de manière très simple, ah bah voilà. Encore une, bah allez hop. Ça me coûte rien, je crois, les auxiliaires, hein. Je vérifie, mais... Non, non, hein, vitesse 6. Peut-être que du coup, ça, la moyenne de la vitesse est un peu diminuée. Ça prend aucune charge, consommation d'eau, zéro. Hein. Non, non. Hein. C'est cool. Et ça m'augmente surtout mes statistiques de manière générale. Donc, il y a bon à avoir. Il y a que du bon à avoir, justement, des auxiliaires. Alors, est-ce que ici. On peut vendre des trucs, alors attendez. Alors lui non, il veut pas me... Il est le maître de la guilde, on va peut-être faire un tour. Est-ce que il y a des marchandises qui vous intéressent ici? Non, pas particulièrement. Puis elle a un rang plus élevé que le mien, donc on va pas chercher à marchander. Maître de la guilde, qu'est-ce que tu peux me faire, toi? Je pourrais recruter un âne, mais ça va me falloir un... Non. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Allez, on va à Kayat Alfaou. Ouais, franchement, il retirait le bug. Alors après, tous les petits bugs
de texte ou choses comme ça, c'est pas grave, mais le bug qui vous oblige à redémarrer le jeu, ah, c'est frustrant ça quand même. En plein désert, vous découvrez un temple à l'abandon, que faites-vous? Eh ben, on va fouiller. Et on n'y trouve que du sable. Bon, au moins, je préfère trouver du sable que des ghouls, lol. c'est mieux que rien. Enfin, c'est mieux que justement de trouver rien que de trouver des ghouls. L'un des hommes de votre caravane pousse soudain un cri de douleur en vous retournant que son pied commence à enfler. Oula. Ouais. On va essayer d'aspirer le poison. D'aspirer le poison de la blessure. L'homme semble aller mieux et au bout de quelques heures. Ok, ouf. Du coup, ça m'a pris plus un petit peu d'eau, mais c'est pas bien grave. On continue le voyage. Je sais pas si on pourra retourner à Hiram des piliers. Ok. On va toujours voir le marchandage si ça leur intéresse, ce que j'ai en magasin. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Rang 3. Nope. Allez, on arrive à Karj. On devra affronter Samael. J'espère qu'il n'est pas un rang trop élevé que je peux le défier. Bon bah tant pis, on y reviendra plus tard, hein, comme pour Zafar. Fatigué, ralentir la caravane. On se repose, voilà, on a suffisamment d'eau. Voilà, c'est cool. Je préfère faire ça que prendre trop de risques, hein, à l'heure actuelle. Ma caravane est bien trop petite. Voilà. On va arriver à Karj. C'est tout petit. Ah bah voilà, Samael, le bandit. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, on l'avait croisé à... Il me semble, il y a très longtemps. Enfin, je l'avais déjà vu, quoi. Alors, déjà, est-ce que je peux marchander le sel? Non, le blé. Ah, le blé. Allez, hop, je te vends le blé, l'ami. Voilà. Et on va affronter Samael. Que voulez-vous? Avons-nous des affaires en cours? La veuve de l'homme que vous avez assassiné m'envoie pour vous punir. Rang 3. Ouïouïouï, ça va être compliqué. Ah d'accord, j'ai plus que 55 de points de vie. Et comment ça se fait, ça? Non, mais drapeau blanc, je veux pas combattre. LOL. Je vais mourir. Bon. Bah, on va essayer, mais dans tous les cas... une attaque, il va m'avoir, de toute façon, donc... Qu'il veut que je fasse, hein. Voilà, c'est bon. Comment ça fait que j'ai que 55 points de vie? Ah ouais, il faudrait que je trouve un mec qui soigne mes blessures. Oh, pas cool. Bon, alors, ce qu'on va faire, tant pis. J'aurais bien aimé quand même terminer mes quêtes, hein. On va juste continuer à explorer, puis bah essayer de se soigner. Alors, du coup, lui, je n'ai pas vendu mes marchandises, là. Donc ça a redémarré. Non, mais du coup, on va s'améliorer, tout simplement. Hein, on va améliorer nos stats. On va aller à Guerra. Pourquoi je peux pas y aller? Je peux pas aller à Guerra. Je peux pas aller là-bas ni à Babylone. Enfin, est-ce que du coup je peux aller non? Bah mince alors. Est-ce que je suis obligé de rester dans toutes ces villes là et de finir les quêtes, explorer l'Arabie du Sud pour trouver un puissant allié? Moi, pas trop comprendre. Bah merde alors. Je peux voyager là, mais je peux pas voyager là. Journal de quête. Je ne sais plus vous aider. Bah ouais, mais j'ai aucune. Bon, ce qu'on va faire, on va voyager, mais j'ai un peu peur, c'est que ça soit lié à une autre quête. Ouais, c'est bizarre.
Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Bon, on va continuer d'explorer, hein. Peut-être que... Peut-être que, en effet, j'ai loupé quelque chose, je sais pas. Oula, ça, c'est des bandits, ça. Ils submergent votre groupe et exigent que vous leur abandonniez un de vos membres. Vous proposez de leur offrir 120 drachmes à la place. Ah, pour se battre. Allez, on peut essayer ça. Ah, ok, bon, ils en ont rien à foutre. Bah, plutôt se battre avec un peu de chance. Rang 3 et merde. Oh là, je vais encore me faire avoir. Ah, par contre, ça, c'est pas cool. C'est dommage qu'on puisse pas fuir ou du moins désister du combat. Parce que là, je vais mourir. Enfin, je sais que je vais mourir, quoi. Je peux pas faire autrement. En même temps, c'est moi qui cherchais un petit peu le combat, je le reconnais, mais. Ah, tout de même. Pas le premier coup, mais bon. Auxiliaire Taïda a péri au combat. Ah, du coup, j'ai perdu un auxiliaire. Ah, génial. Non, mais ça sert à rien que je continue, là. Je vais mûrir. Ah, je vais tout perdre, tous mes auxiliaires. Auxiliaire Taïda a péri au combat. Ouais, ben voilà. Ouais. Eh bah dernière sauvegarde, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, c'est frustrant ça, honnêtement. C'est assez frustrant, bon. Le blé. Bon bah du coup, voilà, on refait, hein. Heureusement qu'il y a les sauvegardes automatiques à chaque ville, hein. Ça permet de pas trop perdre trop de progression, mais... Là, j'ai l'impression d'être... me manque des stats, en fait, et je peux pas faire grand-chose d'autre que... Ouais, bon, bah... Non, ils veulent rien savoir. Ah, si, ils veulent... Ah, ok, bon. Cool. Ils me laissent repartir avec un... en leur laissant un auxiliaire, bon. Ok, tout à l'heure, ils voulaient pas, là, ils veulent bien, bon. Écoutez, les mecs... C'est vous qui voyez, hein. Quelle quête je pourrais faire? Non, 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 ouais, je suis en rang trop bas encore là. Quoique là, attendez, je suis au-dessus, c'est bizarre ça, rang 3. Comment je fais pour passer un niveau? Portrait la profession d'être lui propre. J'ai également envoyé un héros, non, non, non. Comment je fais pour passer? Ah, peut-être voir les maîtres de guilde. Ah oui, il y avait cette histoire-là aussi. Et pourquoi j'ai encore mis deux auxiliaires? Moi, je comprends rien. J'avais pas décidé de leur vendre. Ou alors c'était juste un petit sort de péage qu'il fallait leur donner aux esclavagistes, là. Oui, 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 je comprends pas forcément tout le désir de découvrir un temple. Faisons des recherches. Deux encens. Du coup, maintenant, j'ai un inventaire trop grand. Oh, ça se vend pas mal, ça. Ouais, je vais détruire ça. Ouais. Ouais, je suis comme ça, moi. Allez, allez. Faudra surtout que je me soigne. Mais ça, j'avais vu quelqu'un qui pouvait nous le faire, mais je sais plus à quelle ville c'était. Je trouve quelqu'un, voilà, un allié, quoi. Enfin, là-dessus, je suis assez... Enfin, merde, quoi. Un reflet bleu, l'horizon, que faites-vous? Oh, ça, c'est un mirage, ça, c'est... Vous mourrez pas avec ça, les gars. Un jour 23, quoi, lol. Eh ben c'est pas demain que je vais être roi de quoi que ce soit ou héritier de je sais plus quoi là. Hein. Faut pas être pressé les gars. Alors, là, lui là.
sur le maître là, je peux faire quelque chose auprès de lui. Hein. Mais apparemment, non, je peux pas interagir, je sais pas trop. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Je peux te vendre un encens. Toujours ça de prix, puis ça me dégage une place. Ah, voilà, maître de guilde. Ah non, je peux pas, hein, je peux pas améliorer. Peut-être que lui, il est pas recruté des auxiliaires. Non, lui, il est pas spécialisé dans ce truc-là. On va continuer de visiter, de revisiter, du moins. Hein. Alors vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors l'encens, c'est pas votre truc. Par contre, les pots, oui. Et je peux essayer de marchander. Et ben, on va essayer ça, Mordecai. Passer à l'initiative, d'accord. Je le bats. Yes. J'ai gagné deux dragues. C'est toujours ça de prix, écoute. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, je vais visiter Sana. Voilà. Continuer la route. Ouais, je peux ni. Enfin, ouais, les goules à Zafra sont trop fortes. De toute façon, oui, non, je peux même pas affronter, j'ai plus assez de vie, donc ça va même pas. Bon, ça, c'est une grande ville. Attends, je peux un allié là-dedans, quand même. Lui, là, marchand. Ouh, l'encens t'intéresse, toi. Rang 2. Allez, on peut essayer de marchander. Dès que je le fais, hein, clairement. Là, je pense que je vais perdre. Ouais. 30 à 65, bon, tant pis. Barnabas, avez-vous retrouvé la mariée? Non, j'ai pas retrouvé la mariée, non. Ah, et toi, là, maître de guilde. Fais-moi monter au rang 3. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. On peut recruter des héros. Ah, oui, ça, c'est bien aussi, ça. Oui, c'est même très, très bien. Alors du coup, je regarde un petit peu leurs stats là, 135, 175, 40, 50, 170, 170. Barnabas voleur, je regarde un petit peu leurs stats. Alors elle a beaucoup de points de vie, là on a la moyenne, il a pas trop mal. Alors on va prendre Barnabas. Voilà, il a l'air plus ou moins équilibré, j'ai envie de dire. C'est quoi ça? Congédie des héros? Ah non, c'est pas ça que je veux faire, je veux pas le kicker. Il a quoi comme capacité saccage? Vole 5 points d'une catégorie de combat ou de marchandage par auxiliaire. Et les ajoutes à ceux de votre héros. Ah bien ça. Sachant que j'ai deux auxiliaires. J'ai pas d'artefact dans tous les cas. Est-ce que du coup je peux améliorer mon héros? C'est de le garder lui. Non, je ne peux pas. Ok, d'accord. Oui. Alors, du coup, là, par jour, 10 besoins en eau, d'accord. Est-ce que je peux faire une escale à Marib sans souci? Ouais, c'est bon. Ok, peut-être que là, déjà, je pourrais... peut-être essayer d'affronter les ghouls, puis même Samael. Voilà, voilà, peut-être que là, on va débloquer un petit peu la situation. On va essayer de faire ça. Alors, on va essayer d'aller à Zafar, déjà. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, ah voilà, lui je peux. Il peut soigner aux blessures. Attends. Et là il s'est régénéré lui le. Ah oui, parce que je fais passer d'un niveau. Bah oui, d'accord. Ok, d'accord, mais je peux régénérer mes personnages ici. D'accord. Enfin, mes héros plutôt. Le sel, ça vous dit, non? Qu'est-ce que t'as toi? Du poivre? Non, désolé, ça ne me dit rien. Euh,
Mais vous êtes pareil, vous n'allez pas vouloir. Ouais. Ah, il y a plusieurs marchands. C'est bizarre, c'est qu'il y a autant de marchands, n'empêche. Alors, est-ce que je peux du coup aller. On va essayer d'aller à Zafar. Voilà. Et combattre les ghouls. Et pareil, si j'ai bien compris, on choisit qu'un seul héros dans les combats. Ça serait peut-être bien qu'on mette les deux héros, ou enfin qu'on peut en mettre plusieurs du moins. Passer dans le loin des ruines. Non, non, ça pue, ça. Je vais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Pas prendre de risques. Zafar. Bon, on va essayer, on va réessayer du moins. C'est vrai que le jeu a un rythme très lent. C'est pas bourré d'action, hein, c'est clairement pas ça, mais... c'est sympa quand même. Alors, 85, 90, 85, 190 points de vie. Ashan est la plus de points de vie. 65, 110, 75. Ouais, c'est Ashan qui est le plus fort. On prend Ashan, voilà. C'est pas dit que j'y arrive, hein, mais bon. Peut-être plus un peu plus de chance. Allez. Je pense que je dois acheter dans la colle hein, pour certaines formes de stratégie, hein, je le conçois. Quoique là, c'est pas mal la différence. Là, je ne prends que 10 dégâts, lui j'en fous 60. Ouais, c'est plutôt pas mal. Sachant que j'ai hors de match, moins de vitesse de caravane et j'ai. Ah non, ça c'est la. Ok, ça. Ok, c'est ce que j'ai gagné en plus avec le rang 3. Ah oui, non, c'est l'autre héros qui a d'autres capacités, d'accord. Alors, ok, il y a tout ça là. Trop d'autres choix que de mettre tout dans la défense. Hein. De dégâts, c'est bon ça. Allez, bah là je vais l'avoir, là, il n'y a aucun souci. Le prochain, j'ai pas beaucoup de dégâts à lui faire. C'est bon ça, on avance. Progresse. Tac. Voilà. Boum. Sans expérience. Vous avez vaincu vos adversaires, récompense de tenir son expérience. Ok, d'accord. Perfect. Et du coup, après avoir vaincu la goule, vous cognez le pire pour la mariée. Aucune trace de pas ne semble s'éloigner de l'oasis. Vous inspectez de plus près le corps du marchand. Pourrait-il s'agir de... Mais non, c'est bien un corps d'homme. Soudain, vous entendez un mouvement dans le puits. Vous penchez, distinguez une femme dans l'eau jusqu'au genou. Vous êtes là-dedans pour vous cacher des ghouls, hein? Vous ne risquez plus rien, les ghouls sont partis. On va faire le premier, j'ai envie d'être un petit peu prudent quand même. Je ne me cache pas, j'attends. Mes compagnons m'ont retrouvé et m'ont amené ici. J'attends maintenant de pouvoir rentrer chez moi. Je vous ramènerai chez vous. La nuit tombe et la lune illumine bientôt le ciel étoilé. Le charme que vous portez autour du cou se mettre une lumière intense. Je vois le sourire, le ciel me sourit. Il accepte que je revienne chez moi. Je vais pouvoir rentrer maintenant. Merci mes amis. Ouh purée, m'a fait peur là. J'ai cru que c'était une goule, je sais pas quoi. Attention, se met à briller. Et un djinn fantomatique monte des profondeurs du puits, se dirige droit vers votre poitrine. Un éclair de lumière blanche éblouit tout le monde pendant quelques secondes, puis tout revient à la normale. Ouais. Eh oh, y a quelqu'un? Où suis-je? Comment me suis retrouvé là-dedans? Ne venez-vous pas de rentrer chez vous à l'instant? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, je suis au fond d'un puits, trempé jusqu'aux os. Vous me dites que tout va bien? Ok, alors c'était un djinn. Je n'ai aucun souvenir de comment je suis arrivé ici, mais pourriez-vous me ramener chez moi jusqu'à Sana? J'étais sur le point de me marier, je ne voudrais pas arrêter mon... On avance, je consommation d'eau. Ok, d'accord. Ouf, ça m'a rechargé toute mon eau, c'est cool ça. Ah merde, j'avais deux auxiliaires qui sont morts par contre. Ah ok. Les auxiliaires, en gros, ça se recrute un peu comme ça, quoi. D'accord. Et du coup, ça, ouais, on peut les perdre rapidement au travers d'un combat. Ok, alors du coup, on va revenir à Sana. Oui. Et puis après, on va essayer d'aller affronter Samael, vu que maintenant on est niveau 3, etc. Bon, c'est cool, je suis content. Là, on a pu avancer un petit peu dans cette quête, on a pu la... La débloquer, une odeur suspecte, c'est un vanaride, et merde. Oh, ça va, c'est bon, ils m'ont rechargé ma gourde, enfin mes réserves d'eau gratos, hein. Je peux me permettre de les vider sans prendre de risques.
Alors déjà, voir si je peux me soigner. 50 dragues, ouais, quand même. Hein. Mais c'est important. J'ai pas mon inventaire, non, j'ai rien de plus. Ouais, allez. Allez, on va aller à Sana. On va rester Samael et puis ça va être bon là. Je sais pas combien de temps, hein, quand même, un bon petit épisode, je pense quand même. Pas vos guides jusqu'à des ruines apparemment données qu'au milieu d'une oasis chez quelle vous faire. Fouillez les ruines. Vous fouillez des ruines, dans le sous-sol vous découvrez un homme très maigre et attaché. On va le libérer. Cool. Alors par contre du coup il est un peu affaibli. Rang 3. Ah, pas mal. Bon, par contre il va me coûter de l'eau, mais survie réduit la consommation d'eau du héros de 3 par auxiliaire. Ah bah pas mal. Ah il faut qu'on lance. Un faucon sous les commandes champignons de la caravane et les chances de faire une rencontre de 700 par auxiliaire. Ok! Pas mal comme rencontre. Bon, voilà, nous voilà, Sana. On va rapporter la quête. Non, c'est pas ça, là. Là. N'en crois pas mes yeux, vous avez trouvé B1 hein? Que votre âme courageuse soit bénie. Nous avions tout espoir. Nous avons perdu tout espoir, mais vous nous avez ramené notre fille. Vous méritez bien plus que nous savons vous donner. Nos enfants et les enfants de nos enfants chanteront votre courage et votre gloire. Bah merci. Alors quand même, je vais essayer de prononcer son nom. Beartlade. Je pense que je dois avoir je dois prononcer ça mal. Ok, et. Outre de Wad, une outre bénie par le dieu Wad peut être équipée par toutes les professions. Besoin en eau, moins 3. Prix d'achat, 1250. Et prix de vente, 1250. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Eh ben... J'aimerais bien que lui, il se régène la vie. Alors, ce qu'on va faire... On va retourner... C'était... à Marie, oui, non, c'était à Marie, voilà. Ah, peut-être qu'à chaque grande cité, on peut régénérer nos persos. Voilà, j'ai envie de régénérer tous mes persos. Du moins lui là, Partalan. C'est ça, Partalan. Et ensuite repartir depuis le long de la route. Vous passez près d'une hutte qui a visiblement connu des jours meilleurs. Un homme et son âme se tiennent devant la porte. Je vous laisse la parole. D'accord. Vous en supplie, aidez-moi. J'ai un besoin urgent de médicaments pour ma fille malade. Mais la récolte n'a pas été bonne cette année. Je vous en prie, achetez cette âne. Je dispose de l'argent nécessaire. Ah non, désolé mec, 200 drachmes c'est trop cher. Ah, j'aurais bien voulu négocier par contre. 147 drachmes, il m'en propose 200, non, c'est. Je sais pas que je veux. Enfin, j'aurais bien voulu, entre moi, mais. Ça ne va pas être possible. Alors. On va. Voilà. Lui, j'ai bien envie de le garder et surtout de lui donner. Ça là, voilà. Parfait. Les besoins en eau seront réduits. Alors on va équiper. On va plutôt recharger notre. Voilà, j'ai plus beaucoup de fric par contre. Il faudra que je pense à vendre. Allez, je peux essayer de lui de négocier. Allez, c'est juste histoire d'eux. Hein. Alors, qui est-ce qui est le meilleur en négociation? Ça reste Ashan, hein, notre héros. Bon, son il est en 3. Lui, il est plutôt fort en combat, quoique j'ai quand même 110 là en défense. Hein. Alors. Là, j'ai quand même plus de chance. Hein. Quoique là, il a un bon petit avantage. Hein. Oh, pas bon ça. Eh ben alors j'ai perdu malgré que j'étais un rang supérieur. Ça veut pas forcément dire grand chose le rang mine de rien. C'est pas grave. Alors, et ben ce qu'on va faire, et ben on va continuer le voyage. On va essayer de. Oula, 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 oula. Je réponds, voilà, c'est bon. De voyager jusqu'à Karge. Et de terminer la quête. Quoi qu'après, il faudra revenir tout en bas là, là. Parce que je sais plus d'où je l'avais trouvé cette quête là, là, le mercenaire assassin. Mais il me semble que c'était
très très loin. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai rien à faire ici. Voilà, voyage jusqu'à Najran. Donc, du coup, je consomme bien plus d'eau parce que eux, voilà, ils consomment combien d'eau? Où est-ce que ça va être marqué? Je l'ai vu, je restais deux hauts. Au bord de la route, vous apercevez un petit groupe de personnes en vous approchant, remarquez qu'ils semblent tous sous de blessures diverses. C'est des aider, vous en avez un, mais sans succès, les voyageurs succombent à leurs blessures. Enterrer les morts. Voilà. Ok. Bon, bah, je sais pas. Écoutez, hein. On a peut-être pu trouver quelque chose d'autre plus intéressant, mais bon. Tant pis. Ok. Lui, il veut toujours rien savoir. Alors, lui, là. Mérunes Dagon. Non, merci. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je peux jusqu'à 17 consommations d'eau? Allez, on prend le risque. C'est vrai que c'est limite. Hein. Parce que là, avec mes 3 héros, ça picole, hein. Heureusement que c'est que de l'eau. Sinon, on irait bien moins vite. Salut. Femme habillée de manière, je vous en prie, etc. Comme ça. Allez, viens, on s'amuse bien. Surtout que si elle ne m'accoute pas de ressources particulières. En fait, c'est ça, ça se trouve, c'est juste un élément aléatoire positif, hein, parce que là, je me suis dit, merde, il y a un entourloupe à l'accepter, mais puis, en fait, non, c'est juste un auxiliaire. Ça ne me demande aucune ressource, donc c'est tout bon à prendre. Oula, un champ de bataille. En espérant qu'il n'y ait pas de ghoul. En fouillant parmi les corps, vous trouvez une arme qui vous semble encore utilisable. Cool. Une épée courte utilisée par les Grecs peut être équipée par toutes les professions, défense. Oh oh! Alors, du coup, ce que je vais faire. Toi là. Un maître de cavane, marchand, éclaireur, sergent-voleur. C'est en gros le bâton simple là, il me sert à rien. Enfin, oui, vitesse plus 2, mais. Voilà, autant que je l'équipe à lui par exemple. Enfin, attendez. D'abord que j'ai fait ça. Je l'équipe l'épée à lui, parce que vu que pour les combats, il va être plus fort. Ah, voilà. Ah, quoi que je peux pas? Rang 4 minimum. Ah merde, bon bah. C'est pas grave, je conserve l'épée. Au pire, je la vendrai si vraiment je suis en rade de fric. Mais dans l'idée, elle peut être intéressante. Mais j'ai pas le rang suffisant encore. Cet épisode va être long, hein, j'ai l'impression. Je sais pas du tout à combien de minutes je suis en train de jouer là. Mais je m'amuse bien. Juste, voilà, terminer cette quête-là, du moins, essayer de faire terminer cette quête-là. Là, par contre, il faut que je remplisse, voilà, mes gourdes. Mes gourdes. Ah, je pourrais vendre l'épée, quand même. On va attendre un peu. On va voir. Je prétendais quand même, ça me ferait 500 d'encaisser, quoique après les 500 ils partiraient vite aussi, donc Par contre aussi on n'a toujours pas trouvé un allié puissant là. Je sais pas, alors est-ce que là la quête secondaire me fera débloquer une autre quête du coup, voilà, plus en rapport avec la quête principale, je sais pas, mais un peu perplexe par rapport à ça. Il voit de chemin, une escarmouche, on va aller fouiller champ de bataille. Et merde, des ghouls. Allez, rang 3. Allez, je peux les battre. J'espère. Pire, c'est pas grave. Hein. Et le ring. Code 211, hein, c'est costaud. Par contre, elle avait. Ouais, elle va pas forcément faire beaucoup de dégâts. Ok, ça va encore. Du coup, j'ai perdu un auxiliaire. C'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, dès que je prends des dégâts, j'ai l'impression que je perds les auxiliaires. Donc, je ne peux pas faire grand chose d'autre. Allez, c'est jouable. C'est tout à fait jouable, même.
Par contre, pas très bien joué parce que j'ai pris pas mal de dégâts là, je m'ai pas fait beaucoup par contre, tour 4. Fasse gaffe quand même. Hein. Ouh, elle m'a eu, purée. Ouais, j'ai pas forcément bien joué. Bon, c'est pas grave. On avait sauvegardé juste. Non, c'est pas ce que je vais faire juste avant. Allez, c'est pas grave, on continue. On essaie d'aller jusqu'à Arcarge. Sans accro. Est-ce que je retente là? Du coup ça me fait... Ouais non j'ai pas envie. Hein. Ça serait un peu chier quand même. Quoique je pense que je pourrais la battre la goule, hein, mais dans l'absolu... Ne prenons pas de risques. Allez Carge, voilà, allez. À nous deux, Samael. Voyons si maintenant je peux avoir plus de chances de te battre maintenant que ma vie est toute... Enfin, j'ai toute ma vie du moins. Et surtout, que je suis à un meilleur rang. ouais. Allez, let's go! Alors... Bon, on est même point de vie. Du coup, j'ai perdu mon auxiliaire, mais ça, c'est pas grave. Soixante-deux, pas mal. Allez, j'ai pris un bon petit avantage, là. Faut que je continue. Donc il me fera plus mal là, mais allez, faut pas trop que je fasse gaffe, hein, parce que 63 points de vie, c'est limite, mais là lui 31, je peux l'avoir honnêtement, mais faut que je fasse gaffe un peu quand même. Enfin que je fasse gaffe, je suis presque un peu au pif, hein, je vous l'avoue. Mais dans l'idée. Parce que du coup, si on s'entretue, enfin est-ce qu'on peut s'entretuer? Voilà la question. Et si je fais ça, normalement c'est bon là. 43. Oh, je lui fais 31 dégâts pile. Oh oh, yes. Parfait. Par pitié, épargnez-moi, je vous jure que je ne ferai plus jamais mal à personne. À la faute. Retournez à Timna et parlez de votre travail à Zafira. Alors Timna, c'est tout en bas. Ouais, alors, non. Par contre, du coup, faut que... Ah, je suis obligé de faire moins un voyage. Merde, donc c'est... Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à... On va retourner jusqu'à Carrière Tête Flow pour que ça sauvegarde. Parce que j'ai pas vu si ça avait sauvegardé, là, pour... Ce serait con, quand même, que j'ai à refaire ça la prochaine fois. Sachant que j'ai... Ah, c'est pas gagné, quoi. C'est limite, hein, c'est pas joué, pas grand chose. Et merde, des bandits! Ah non, c'est pas des bandits, ouf! Ouais, non, ça pue les bandits, ça. Non, non, désolé, c'est pas que je veux pas vous aider, les mecs, mais non, non, ça pue les bandits. Hein. Moi, je veux juste aller sauvegarder et être sûr que la prochaine fois que je recommencerai, voilà, j'aurai battu Samael. Et que je pourrais aller terminer cette quête-là. Bon, bah, c'est bien, on a fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Du coup, je vais m'arrêter là pour l'épisode 3. Je pense que je ferai encore un épisode, et puis si je suis encore à chercher pour la quête principale, bah j'arrêterai.
Parce que mon objectif principal, c'était pas de forcément d'aller loin dans l'histoire principale, c'était de vous montrer un peu plus de profondeur de jeu. Et là, je pense qu'on a quand même vu pas mal de fonctionnalités. Voilà, on a vu un peu plus à travers ces trois épisodes. J'en ferai sans doute un quatrième, on verra un petit peu ce que ça donnera. Et je verrai bien pour la suite. Bref, on n'y est pas encore. Je vous remercie. Il est temps que j'arrête. Commence à bientôt 1h du matin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Salut !